Et salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue les amis dans ce nouvel épisode de Super Mario 3D World. Mais qu'est-ce donc? Serait-ce un Mario rose? Serait-ce une nouvelle tenue? Serait-ce un nouveau personnage? Et oui, aujourd'hui on commence avec Peach. J'ai décidé de tester les autres personnages et puis accessoirement de vous les montrer tout simplement. Là, voilà, désolé pour le petit bruit. Parce que ça peut être intéressant. Je pense pas qu'on jouera avec d'autres personnages que Mario pour la suite du Let's Play, parce que je préfère quand même Mario. Mais on va essayer. Donc, c'est parti. On va affronter le boss avec Peach. Barrage de Kamek. Hop là. Alors, elle a l'air un peu plus... Ouais, elle a un peu de mal à marcher. Elle a l'air plus lente que Mario, j'ai l'impression. Ouais, on dirait qu'elle est un peu plus lente que Mario et un peu moins maniable. Elle dérape un peu plus que Mario. Et elle vole un petit... je sais pas si vous avez vu, là, à la fin, elle a plané un tout petit peu. Donc ouais, c'est à peu près les mêmes choses que sur Mario Bros, apparemment. Super Mario Bros. Bon, on verra. On va faire un niveau avec elle. Et on verra bien. Mais en plus ça doit être un niveau, alors avec Peach dans un niveau aquatique. Bon, si elle vole ça va pas être terrible. Mais voilà, juste avant, je me rappelle qu'il y avait le petit niveau avec Todd. Todd qui d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi le 3 cette année, mais qui à cause de ce genre de petit truc, de niveau, va avoir son propre jeu. Le capitaine Todd se jette à l'eau. Et je trouve ça plutôt sympa du coup, que Todd ait son propre jeu, qu'ils ont enfin mis en valeur. Alors, il y a deux étoiles, visiblement. Alors. On va voir... Ah non, trois étoiles. J'en vois une là. Voilà, une étoile. Allez! Allez, mon petit! Allez! Là, par là, ouais. Ah, ça fait quoi si je prends un champignon avec Todd? Tiens donc. D'accord, c'est juste un bonus. Ok. On va commencer par aller là-bas. On prend l'étoile, on revient. On remonte. Voilà, et là. Ah non, mais il y a 5 étoiles. Waouh, j'avais pas vu. Je viens de, le gars qui vient de se réveiller, vous savez. D'accord, 5 étoiles, ok. Bon, bah alors dans ce cas, hop, tac. Et là, comment je fais pour passer? Pas par là, visiblement. Bon, en tout cas. Une des étoiles, elle est là. Voilà. Ah, et là, d'ailleurs, ça fait quoi? Ah, bah voilà. Ok, donc là j'imagine qu'il faut que je saute. Hop, voilà. Ah! Et que je remonte. Oh, ça va, c'est pas très très compliqué. Non, 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 non. Voilà. Allez, Capitaine Todd! Ensuite, par là. Et voilà. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Ah! Ouh, c'était limite. Et là, on monte. Ok, c'est bon. Super Todd 3D World.
Oui, voilà. Ok, très bien. Donc, allons voir notre niveau avec Peach. Alors, ça a l'air d'être un niveau aquatique. Si c'est un niveau aquatique, je prendrai peut-être pas Peach. On pourra peut-être essayer Luigi, éventuellement. Tuyau sur mer. Ouais, on va essayer un autre perso. Peach, on l'essaiera un peu plus tard. Donc, changer. On va prendre Luigi, allez. Alors, voyons voir. Donc, Luigi. Ouais, il court quand même plus vite que Peach. Et regardez, il saute plus haut. Ouais, c'est bien ça. Il saute plus haut que notre ami Mario. Et que Peach aussi, d'ailleurs. Hop là, toi. Ah ah! Donne-moi des sous! Des sous! Alors. Regardez-moi ça comme c'est beau. Eh oh, vous! Vous avez pas le droit de vous. Oh putain, merde. D'ailleurs, vous avez pas le droit de vous reposer. Mais vous avez pas le droit non plus de me piquer mes costumes. Bon, il m'en reste un, vous me direz, mais. Bon, apparemment, il y a l'air de rien y avoir d'intéressant. Ah! Ah ah! Eh ouais, quoique. J'ai parlé un peu vite. Bon, enfin, en tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir d'étoiles. Bon, par contre, il est moins précis que Mario. Bon, il saute plus haut, mais il est clairement moins précis. Ok. Voilà. Ouais, les sauts sont plus délicats à gérer. Bon, après, c'est une question d'habitude, hein. Bon, attendez ce qu'on va faire. Voilà. Non, il n'y a rien là-haut. Rien au milieu non plus. Non, même si je souffle. Ah, regardez! Si je souffle sur les arbres, ça fait du vent sur les trucs. C'est pas mal ça. Bon. Comment je descends? Ah, bah d'accord, ok, tout seul. Tada! Oh, pas mal. Mais je vais quand même garder ma tenue de chat parce que ça me permet de monter au mur. Et ça, c'est assez cheaté quand même. Bon. Toujours pas d'étoiles. Là-dedans, peut-être? Non. Ah! Ouais. Là en bas. Non. Écoutez l'ambiance musicale. C'est vraiment reposant et agréable, hein. Voilà, la première étoile est pour nous. Waouh! Ah, c'est beau! Un cimetière sous-marin! Ah, c'est vachement beau! J'espère qu'on va y aller! Ah ouais, mais j'ai ah ouais, non, mais j'ai envie d'y aller, moi, dans le cimetière sous-marin, c'est beau. Non, je vais pas prendre la fleur, je vais garder la tenue d'écureuil. Tadam! Ça, je le sentais venir, ce truc. Oh, oui, je veux, je veux. Je veux! Je veux! Oh yeah! Ouais! Oh, c'est génial! C'est complètement pété ce truc. Ah, et regardez! Tadam! Un petit passage secret, j'imagine, pour la deuxième étoile verte. Ouais. Des sous-sous! Et là en bas, tu tends. Parfait.
Là, ils nous mettent pas mal de temps parce que comme le niveau est dans... Enfin, il est sous l'eau, le rythme est plus lent. Mais bon, c'est pas un mal, hein, ceci dit. Alors, est-ce qu'il faut pas tous les tuer, ceux-là? Ça fait quoi sur les... Ça fait rien, ok. Et ça, est-ce que je peux le casser? Non. Là-haut, regardez, le sol est un peu différent. Eh ouais, voilà. Ah merde, c'est par là qu'il fallait aller. Oh zut. Enfin, apparemment, c'est par là qu'il fallait aller parce qu'il y a une flèche. Ah mais non, en fait, c'est bon. Parce qu'il y avait un autre tuyau en bas. Mais non, en fait, c'est bon, vu que j'ai l'étoile et que j'ai le tampon, c'est parfait. Bon, ben, un niveau très agréable. Ah, et en plus, je garde quand même mes compétences de tenue... Enfin, avec la tenue de... je vais y arriver, de chat. D'accord. Bon, en fait, c'est complètement pété, ce canon. Youhou! Wouhou! Bah, avec Luigi, c'est carrément facile d'avoir le truc, hein. Mais j'aime pas trop Luigi parce que c'est facile pour les sauts, mais comme c'est pas précis, parce qu'il dérape un peu, enfin, il est vraiment moins maniable que Mario. D'ailleurs, sa tenue de chat, on dirait, les oreilles de chat, là, on dirait des yeux de crapaud, on dirait une tenue de crapaud. Bon, en tout cas, un monde très agréable. Et là, qu'avons-nous? C'est quoi ce monde? Ça m'a l'air bizarre. Montagne, on se magne. C'est un truc de course? Allez, on va essayer avec... Peach, pour le coup. Ben, vous voyez? Elle flotte un petit peu, Peach, regardez. Donc, elle est un peu moins rapide que Mario ou Luigi. Elle saute moins haut. Mais sa particularité, c'est qu'elle flotte un petit peu. Et donc là, c'est une course. C'est parti! Attendez. C'est une course? Il faut que je parle à quelqu'un? Non? Non, bon, d'accord. Alors, on y va. Attendez, il y a que... Voilà, en bas. Il faut se manier, mais moi, j'ai pas envie de louper les étoiles. Donc, je regarde quand même. Wow, wow, wow! Et là en bas, il y a quoi? Ah! Bon, il y a une étoile, en tout cas, au moins on le sait. Tout, 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 tout. Oh mon dieu! Oh mon dieu, comme est court! Regardez comme est court! Ok, donc là, cette fois, je le sais. Là en bas, il y a la première étoile. Wow! Ouais, c'est plutôt pas mal comme monde, c'est sympathique. Mais moi je m'attendais à ce qu'il y ait un... Vu le nom, je m'attendais à un espèce de chrono, quelque chose comme ça, mais apparemment non. Ah. Ah. Ah, cool. Bon, bref, allez, on y va. Wow, 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 wow! Ah! Gentil, gentil, gentil. Pas d'étoile, non. Et là! Oh, oh, pile dedans! Bien joué! Yeah! Je t'en ai! Viens ici! Ha ha! Vite, vite! C'est bon. En fait, le chrono ne s'arrête pas quand, quand l'étoile apparaît. Ça, c'est vicieux, il faut faire attention. Ah, j'y étais presque. Bon, là, ça va être pratique, le fait que Peach puisse flotter un petit peu dans les airs. Alors, attendez. Voilà, cours un petit peu plus vite. Yop là! Voilà, nickel. Allez, youhou! Voilà, tout doux, Pédobir. Hop là, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je sais pas pourquoi il fallait sauter là. Ah, d'accord. Ah non, je veux remonter. Je veux prendre l'étoile, je m'en fous. Suicide de Peach, Mario à la rescousse. Vous aurez droit à un nouveau jeu Mario comme ça. Allez, on recommence. Bon, du coup, c'était pas très dur en plus.
Oh, encore une fois. Allez, viens ici. Ah, il m'a feinté. Non, l'autre côté. Elle est restée coincée, la gourdasse. Ah non. Ah. Ah non. Non, 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 non. J'en refuse. Ouais. Cette fois, je t'aurai. Yaha! Voilà. Par là. Non. Ah! Imaginez si je perds juste parce que j'ai pas réussi à attraper l'étoile, quoi. Non, mais la honte. Hop là. Hop là. Hop là. Oh, nickel. Donc là, je me fais pas avoir. Ouais, mais... faudrait un peu plus d'élan en fait. Attendez, hop, voilà, un peu d'élan. Ya yeah. Allez. Bon, tant pis, allez. Tant pis, elle est pas très dure à avoir. Je l'aurai la prochaine fois. Allez, hop. On court sur le drapeau. Wouh. Youhou. Youhou. Ah non. Oh non, je suis passé au-dessus. Oh le fail. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, valide. Des fois, le truc, il faut pas valider, on sait pas pourquoi. Bon, voilà, c'était le gameplay de Peach. Et on va essayer maintenant notre ami Todd dans le prochain monde. Alors, quel est ce monde? Rodéo sur chariot. Bon, bah alors, c'est parti. Todd, tu vas faire du rodéo. Alors, il est au niveau de la vitesse, c'est pareil. Mais je crois qu'il est plus lourd, il saute moins haut, Todd. Il saute moins haut que Mario et Luigi. Et bon, bah voilà, Todd, c'est surtout histoire de dire j'ai joué avec un champignon, quoi. Hein, mais bon. Bon, par là. Ah, il est marrant comme ça. Oh non, mais... Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bonjour. Arrivé là-bas en bas, d'accord. Mais avant, mais avant, mais avant... Ah, il est pas mal comme ça, toi. Ah, une fille. Yeah. Non, ok. Pas d'étoile cachée, allons-y. Alors là, je suis sûr, voilà, j'en étais sûr qu'il y avait quelque chose de caché là. Oh oui, 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 oui! Super Todd! Wouhou! Ah! Tita! Tita! Vite! Bon, toujours. Ah merde! Fuck! L'autre côté! Yeah. Bon, le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'étoile, ça me paraît bizarre. On a vu, j'ai dû louper quelque chose. Bon, c'est pas grave. On continue. Hop là. Hé hé. Qu'est-ce que ceci? Oh, je crains le pire. Yeehaw. Ah bah ça va, en plus c'est la première étoile, parfait. Allez. Todd, le seul champignon à pouvoir tirer des boules de feu en étant dans l'eau. Ah bah parfait, en plus on est arrivé. Très bien. Alors, bonjour, bonjour. Non, y a rien. Hop. Tire. Voilà. Donc là...
Oh putain, il va falloir prendre des pièces rouges. Oh là là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8. Oh, bon, d'accord, ok, juste pour ça. Bon. Ok. Ya! Ok. Ah, il y a une étoile là en bas, faudra pas la louper. Oh oh. Ya! Ah! Monte, 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 monte. Voilà, en même temps, il était dur à éviter là. Voilà, là il y a une étoile. Voilà. Ah putain, c'est la troisième. Bon, j'en ai loupé une. C'est pas très grave en soi, mais. Ah! Ouais, ça je prends. En revanche, maintenant que j'ai pris ça, comment je fais pour la suite? Est-ce que le truc va réapparaître là-haut? Et comment je fais moi maintenant? Yeah! Ah d'accord, ok. Là. Yeah! Ouais, bon, il saute pas assez loin. Bon, c'est pas ce que je préfère hein, quand même, le Toad. Mais c'était sympathique, voilà, comme ça vous avez un peu vu comment, enfin les gameplays des différents persos. Mais du coup, vous en doutez, on va reprendre notre ami Mario. Alors, ah ben, c'est l'heure du château de Bowser. On a déjà tout fait? Bon, ben c'est parfait, alors terminons ce monde... Allez, on va le terminer aujourd'hui, comme ça, allez, allez, aujourd'hui je suis de bonne humeur, je suis d'humeur généreuse, je vais pas vous abandonner lâchement devant le château de Bowser, on va le faire aujourd'hui. Allez, je veux le petit. Ouais. On va prendre ça, non, ça, et ça, voilà. Oh, il est marrant, petit minou Toad, petit minou Toad. Alors... Tac 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 tac. Alors, qu'avons-nous là? Alors déjà, la Bilball Express. Oula, je crains le pire. Bon, déjà, on reprend Mario. Ah, un train cette fois. Allez, why not? J'ai vu. Vite, 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 vite. Ouais. Bon, je sais pas ce qu'il y avait dans les blocs en bas du coup, mais c'était les blocs ou l'étoile, alors j'ai préféré les blocs. Hein. Est-ce que c'est mieux de prendre ça? S'il nous le donne, c'est peut-être ça, ça va peut-être avoir son utilité, donc je vais le garder quand même en réserve au cas où. Oh non! Ah! Putain, mais laissez-moi 30... Aïe. Là, là-bas il y a des caisses. Comment je fais pour aller là-bas? S'il y a... Oh putain! S'il y a des caisses, j'en déduis que ça veut dire que je peux aller là-bas, mais. Ah! Ah, mais ils ont des trucs de. Des têtes de chat! Ah, pas mal! Ya! Alors avant de rentrer là-dedans, est-ce que là-dedans y a pas quelque chose? Non, hein, bon, on va rentrer dedans, on va voir. J'aurais peut-être pas dû rentrer, j'aurais peut-être vraiment dû aller au bout. Ah, salut Toad! T'as une étoile pour moi? Vite! Merci! Bon, bah parfait. Bon, le 3 étoiles était rapide à avoir en fait, pour le coup. Je m'attendais à pire. Toi, dégage. Ah, y'en a un en dessous là. Salut! Ah, heureusement que j'ai regardé, mine de rien. Hein. Alors là en dessous, y'a un bloc, mais. Oh là! Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux sauter dans la cheminée? Ouais, je prends pas le risque. Allons dans, à l'intérieur. Il y a un bloc là invisible, mais je sais pas trop comment je suis censé le prendre. Bon, enfin. Salut! Avec ton shuriken, tu t'es pris pour Sakura ou quoi? Wow, wow, wow! Ninja! Elle me fait le mode ninja! What the? Et. Pigou! Nya 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 nya. Pigou!
fait, c'est facile, il y a des petites étincelles là où elle va apparaître. Aïe. Et voilà. It's me, Mario. Je vais te sauver. Et tu viendras rejoindre mon harem au royaume champignon. N'est-ce pas? Quoi? Peach? Mais non, Peach, elle est d'accord. Tu crois vraiment qu'une fille qui arrête pas de mettre la main dans des tuyaux, voilà, hein? Alors, le prochain monde, qu'est-ce que ça va être? D'ailleurs, ça me fait penser, je vais afficher la carte, voir un peu où on en est dans le jeu. La carte. Monde 1, monde 2, monde 3. Alors, est-ce que la petite île en haut à gauche, c'est le monde 4? Après, il y aurait quoi? Monde 5 et monde 6? Il n'y a que 6 mondes? Donc, si c'est ça, on en est à la moitié du jeu, à peu près, hein, mine de rien. Bon, bah alors, dans ce cas, rendez-vous n'importe quoi. Rendez-vous nulle part. Enfin, si, rendez-vous dans le prochain monde! Dans le prochain épisode! Laissez un petit pouce bleu, les amis! Salut tout le monde!